Plus de 1000 plats pour 150 enfants. L'ONG Âme de Cœur offre de la nourriture aux enfants de la commune de Kumasi. Pour la présidente de cette organisation non gouvernementale, son action vise à apporter le sourire aux enfants les plus démunis. On me recevait dans ce coin-là pour pouvoir manger. Ça m'a fait vraiment du bien. Et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire un genre de choses comme ça chez moi, mais pour les enfants, parce que ce sont eux qui ont le plus besoin. Voilà. J'aurais bien voulu que les enfants puissent manger tous les jours. À ses côtés, des opérateurs économiques, des associations de bienfaisance qui entendent œuvrer ensemble pour le bien-être des enfants. Si nous-mêmes, on a des problèmes à tout instant pour pouvoir conjuguer l'amour des uns et des autres, ne pas soutenir ces enfants qui doivent matin, midi, soir manger, ce serait un crime. Aujourd'hui, chacun d'entre nous doit essayer de ne pas avoir faim. Je vais manger un bon dessert avec du plat, du maca et du jus. Je suis très contente. L'initiative est saluée par Afousiata Bambalamine, ministre de la Communication et par ailleurs marraine de la cérémonie. En son nom, Marie-Paul Yassé a transmis son attachement à la cause des enfants ivoiriens. L'ONG Âme de Cœur est à sa 9e édition pour cette opération dénommée 500 repas gratuits aux enfants de Côte d'Ivoire.